à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve ramassage de l'enrubanage. Donc mon père et mon oncle en ont profité d'enrubaner la semaine dernière qu'il faisait soleil. Malheureusement je n'étais pas là, donc ils n'avaient pas eu le temps de ramasser les bottes. Donc on a fait 270 bottes d'enrubanage. Ça en fait pas beaucoup, mais bon, c'est juste destiné pour les génisses. Et donc on espère faire une troisième et deuxième coupe pour refaire de l'enrubanage et pour finir les stocks. Donc là, moi je suis avec le 130 et le plateau de la Cuma. Donc sur celui-là, je mets 20 bottes. Et après, il y a un autre plateau qu'on met au télescopique et on met 14 bottes dessus. Donc voilà. Donc deuxième partie de la vidéo, épandage de l'urée sur les maïs. Donc là j'ai pris le Pharmal avec l'épandeur d'engrais, donc toujours le même. Donc je prends le Pharmal, c'est justement pour passer entre les rangs de maïs. Donc quand on avait acheté le Pharmal, on l'avait fait régler pour qu'il passe entre les rangs de maïs justement, pour pas écraser les rangs de maïs. Donc le maximum du coup il passe pas entre les rangs de maïs, donc c'est pour ça que je prends le Pharmal. Donc là c'est un premier apport que je fais. Le maïs il est au stade 5-6 feuilles on va dire. Et donc là c'est un premier passage sur ces maïs là. Après j'irai dans une autre parcelle où ce sera un second passage. Donc un second passage à peu près 100 unités hectares. Et j'avais réalisé un premier passage à 160 et 170 unités. Donc voilà. Donc je vais vous mettre quelques passages vidéo et je vous retrouve après.
Quesmes, donc ceux derrière les seigles. Donc comme vous voyez, le stade pour intervenir, c'est vraiment le dernier moment. Sinon après, s'ils étaient plus haut, le tracteur il casserait les maïs quand les maïs y passeraient sous le tracteur. Donc là après, on aurait des pertes de rendement et ça retendrait les maïs. Donc là, j'ai réglé un peu le semoir, j'ai ouvert un peu plus, ça ne m'était pas assez tout à l'heure. Donc là, je suis aux alentours de 120 unités hectares à peu près. Donc là, vraiment, pour intervenir, c'est vraiment des bonnes conditions. Ils annoncent des orages demain, donc ça sera idéal pour faire fondre l'urée et qu'elle soit rapidement assimilable pour le maïs. Donc vraiment des bonnes conditions pour ce deuxième apport. Le premier apport s'était aussi très bien passé, il avait plu tout de suite derrière quand j'avais fini d'écarter, donc pas de volatilisation de l'urée du moment qu'elle a été pendue. Sachant que l'urée est facilement volatile, même avec les fortes chaleurs. Donc là, c'est l'urée qui est protégée normalement pour ça, mais bon, faut pas prendre non plus le risque d'avoir de la volatilisation sur l'apport du maïs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour information, j'ai eu mon BTS que j'avais passé la semaine dernière à la mode Servolex. Ça s'était plutôt bien passé, notamment pour l'oral du rapport de stage. Donc je suis assez content d'avoir eu ce BTS qui me sera très utile. Et pour l'année prochaine, je me suis inscrit en formation CSL, donc un certificat spécialisation. Donc toujours au lycée agricole de Bonnefonds. Donc voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !